Salut Cédric. Salut Yann, bienvenue chez nous en Normandie, à Ranche, et ravi de recevoir l'équipe d'A2 Turf en nos locaux, c'est avec plaisir. Tu nous fais visiter ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Voilà, là c'est le démarrage, c'est la ligne de montage de tous les petits camions. Donc la base plancher cabine, elle arrive ici, et en fait, chaque jour, les véhicules avancent de poste à poste. Donc les opérateurs sont polyvalents, c'est-à-dire que les gars qui sont sur le poste 1 peuvent très bien travailler au poste 2 demain, et ainsi de suite. Il y a 4 postes en fait. Une fois que le véhicule est arrivé au poste 4, en fin de poste 4, en fait, tout ce qui est montage, assemblage, c'est fini. Donc après, il faut passer à l'étape de peinture, de finition, ainsi de suite. Mais ça avance comme ça chaque jour. Tous les jours, les véhicules avancent de place. Donc quand le véhicule arrive, on va dire il est quasiment nu. C'est parfait. Il y a la cabine, les 4 roues. La cabine, les 4 roues et un plancher en tôle. Donc c'est un véhicule d'origine constructeur, hein, donc Peugeot, Fiat, Citroën ou Renault, hein, pour les grandes marques. Et c'est une base de plancher cabine. L'appellation commerciale, c'est un plancher cabine. Et donc tout le reste est fabriqué ensuite chez nous par les opérateurs. Donc il y a des pièces qui sont fabriquées d'avance, ainsi de suite. Mais ce n'est pas une cellule qui est toute prête et qu'on monte avec des palans ou des grues et qu'on vient poser visser. Tout est soudé et fabriqué directement sur la base du plancher cabine. On peut faire du sur-mesure alors ? On peut faire du sur-mesure, effectivement. Il y a certains de nos produits très standardisés pour pouvoir être compétitif et pouvoir faire du volume. Mais les clients ayant des exigences particulières, on peut très bien y répondre. C'est quoi les 4 principales étapes ? Donc il y a la préparation du châssis, les soubassements, plancher. Et ensuite c'est montage des côtés, des deux côtés, l'arrière et le pavillon. Après c'est tout ce qui est ajustage intérieur et tout ce qui est ouvrant, donc c'est-à-dire pont, porte arrière, portillon. Et la dernière étape c'est tout ce qui est partie collage, donc les joues d'habillage, tout ce qui est un petit peu entre guillemets tuning, quoi. Capucine, joues d'habillage, cabine et ainsi de suite. Et donc il y a un contrôle qualité permanent de poste à poste. Donc, c'est-à-dire que le véhicule est en poste 1, quand il arrive au poste 2, la première étape c'est de contrôler ce qui a été fait par les opérateurs du poste 1. Donc en fait il y a un contrôle qualité continu, à chaque poste, à chaque niveau. Pour arriver du poste 1 au poste 4, il y a combien de temps ? Maximum 4 jours. Donc un véhicule quand il arrive chez toi ? Oui. À partir du moment où il arrive et jusqu'à la fin, il met à peu près combien de temps ? Alors après c'est délicat parce qu'il y a tout ce qui est ligne de montage donc sur le petit camion, mais ensuite après il y a un bouchon qui se passe à la peinture où on va aller tout à l'heure. Et là c'est un entonnoir. Et puis c'est des étapes qui sont plus longues, plus fastidieuses, avec des temps de séchage, ainsi de suite, donc c'est un peu plus délicat. Mais en général un véhicule, on va dire prioritaire, lorsqu'il rentre chez nous, grand maximum en 4 semaines le client peut être livré. Au moment où il arrive, à partir du moment où il rentre dans l'atelier, au moment de la livraison du client, c'est environ 80 heures. 300 heures. Ouais. Donc 80 heures de peinture, voire plus des fois si c'est des peintures spécifiques ou des teintes bicolores, ça nous arrive de faire des teintes bicolores, donc là c'est pas en 4 fois, donc là forcément c'est plus de temps. Les cabines là-bas par en dessous, hein. Et donc arrive dans cette partie-là qui est tout ce qui est finition. Donc il rentre là-bas et ça revient finir par ici, donc ça fait effectivement un demi-cercle. Et donc là ils arrivent, ils sont montés, peints. Ils sont fabriqués, peints, et il reste tout ce qui est remontage des accessoires, donc les baies, les pare-chocs, le revêtement de sol intérieur, le remontage des bas-flancs, des séparations diverses, des accessoires tels les barres d'attache, les attelages remorques, les supports sulky, des caméras de recul, des caméras de surveillance partie chevaux, j'en passe et des meilleurs. Donc tout ça c'est fait dans cette partie-là, qui est la partie qu'on appelle finition. Qu'est-ce qui reste après cette partie-là ? Une fois que ça arrive là, donc là c'est pareil, hein, ça va de poste en poste. Et une fois que ça arrive là-bas au dernier poste, après c'est contrôle qualité, après il reste la décoration extérieure, et ensuite après c'est la livraison finale au client. Alors la clientèle aujourd'hui chez Théo, sur le marché national, on est grosso modo 60-40, donc il y a population professionnelle des courses, c'est environ 60%. Sur l'année, les chevaux de sport, toutes disciplines confondues, c'est environ donc forcément 40%. Et dans la proportion des 60% des clients professionnels, ça doit être 40% de trotteurs et 20% de galopins. Et les autres ? Et les autres, c'est chevaux de selle, donc là c'est vraiment toute discipline complète, dressage, CSO, attelage, on a vraiment des clients, dressage, voltige, on a des clients vraiment dans toutes les disciplines. Un camion pour les professionnels aujourd'hui relativement standard, c'est un véhicule qui sort entre 60 et 62 000. Aujourd'hui dans les chevaux de course,
très peu de gros camions. Alors soit les gens qu'on a eu il y a quelques années, qu'on finit, qui les ont payés, et puis les véhicules leur appartiennent et ils souhaitent les conserver pour certains, et encore c'est pas le cas de tout le monde. Et aujourd'hui, de par la multiplication des courses, des endroits, des réunions PMU, même si on a 3-4 par temps, ben on met un camion, une remorque. Les gars partent avec le permis, il n'y a pas toutes les contraintes de poids lourd, les coûts du poids lourd, les passages aux mines, les péages, les entretiens, les permis, les heures de conduite, ainsi de suite. Le petit camion, c'est beaucoup moins contraignant. Un jeune qui a 18 ans et qui sait travailler, il peut partir aux courses et amener de chaud sur n'importe quel hippodrome. Vous en vendez combien par année déjà des petits camions? Entre 250 et 300 petits camions par an. Il faut pas mollir. Il faut s'en occuper un peu, effectivement. Et les gros camions, vous en vendez combien? Et les gros camions, les belles années, c'est aller entre 8 et 12 unités, c'est environ un véhicule par mois, puisque ça représente un nombre d'heures souvent assez conséquent, puisqu'aujourd'hui il n'y a quasiment plus de camions pour les courses, donc c'est essentiellement des camions pour le concours, avec des appartements, des extensions, ainsi de suite. Donc c'est des véhicules qui sortent entre 3000 et 3500 heures de travail. Donc c'est grosso modo un véhicule par mois, en moyenne un véhicule par mois. Cédric, comment t'as atterri ici dans cette entreprise Théo? Eh bien, tout simplement, un choix déjà, puisque je venais de quitter le milieu des courses, voilà, suite à un accident. J'ai eu un parcours classique dans le métier, formation à Graigne, différents employeurs successifs, Jean-Pierre Dubois, Marcel Vaudois, Jean-Claude et Bernard David, pour ne pas les citer. Un accident en course en 95, qui m'a valu plusieurs mois d'arrêt, des opérations successives, ainsi de suite. Et puis, voilà, il était temps de tourner la page, plus de famille dans le milieu. Un passage dans des professionnels imminents, et je ne sais pas trop comment m'en sortir. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer les dirigeants de Théo à l'époque qui cherchaient un vendeur. Enfin, j'ai la fonction de responsable des ventes chez Théo depuis une dizaine d'années. Et puis ça me plaît bien. Voilà, je reste au contact des acteurs, des animaux. Donc je suis ravi. C'était un souhait de ta part de rester dans le milieu des courses ? Oui, complètement. Hein. C'est un virus, ça prend tout petit et je crois qu'on ne s'en défait jamais. J'ai essayé de faire la coupure lorsque j'ai arrêté le métier, de me priver un peu d'aller aux courses, de voir les copains, etc. Mais c'est revenu au trot, et voire même au galop. Est-ce qu'aujourd'hui, Cédric Le Gall, c'est un homme heureux ? Oui, très, très. Je suis comblé de par les fonctions que j'utilise chez Théo. Je suis ravi, je suis régulièrement aux courses, je suis au contact des professionnels au quotidien. Je vois, je touche des chevaux quasiment tous les jours. Donc, ouais, ma passion, elle est différente du milieu des courses à proprement dit. Mais aujourd'hui, ma fonction me comble énormément.